Taylor était assis dans sa voiture. Et d'un coup, Nicolas a commencé à se battre avec ses deux types. Ça, c'est mon Nico. Ouais. Et en fait, c'était tout orchestré à l'avance pour donner l'impression qu'ils se battaient, mais réellement. Comment ça, l'impression? Oui, parce qu'en fait, j'avais tout arrangé avec les deux types. Et voilà, ça n'a pas été facile, mais bon, c'était juste une mise en scène, rien de plus. Mais ça a marché, non? Et comment? Fallait voir Nicolas faire comme s'il leur mettait des beignes à ces types. Ensuite, il les a laissés au sol. Et vous l'auriez vu après, il s'est approché, il m'a attrapé par le bras comme dans un film et on est parti. Dommage que je n'ai pas pu voir la tête du père d'Emma, mais j'imagine qu'il devait être super furax. C'est vrai, il devait être très... Très quoi? Comme elle dit, écoute un peu quand on parle, il devait être furax. Ouais, super furieux. Super furax. J'espère seulement... que ce type ne nous embêtera plus. Non, ma chérie, il ne vous embêtera plus. Tu sais quoi? Il va vous laisser tranquille, ne t'inquiète pas, parce qu'il sait qu'il ne peut rien contre vous. C'est clair. Franchement, j'en serais pas si sûr, Sorette. À ta place, je ferai attention. Le père d'Emma, moi, cet homme... Sérieux, bah, il me fait un petit peu peur. Oh, François, Nico et moi, on sait très bien à quel type de bonhomme on a affaire. Et cette fois-ci, on les a eu. On leur en a mis plein la tête, on les a eu, on les a écrasés, on les a fracassés. Oui, voilà comment on va t'entendre parler. Ma nièce est une tigresse. Le petit chèque, le petit chèque. Quelle émotion, ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu autant d'argent. Ce petit chèque va nous changer la vie. Oui, et on ferait bien de se dépêcher. Il faut monter le pub rapidement, sinon on va se retrouver... Je ne vous ai pas raconté, je ne vous ai pas raconté en venant ici. Je suis passée voir la provinciale. Et tu lui as dit pour le pub? Mais bien sûr. Et je me suis chargée de lui dire que c'est Alexandre qui me finançait. Et puis je lui ai lâché une petite phrase en privé. Oh, dis-nous quelle petite phrase. Je lui ai dit qu'Alexandre faisait sûrement ça pour se remettre avec moi. Super. Et la tête qu'elle faisait, ça l'a achevé d'entendre ça. La provinciale achevée par notre blanche. Moi, j'avais un peu perdu le fil, mais maintenant, je suis prête à repartir à la charrière. Et je n'aurai peut-être pas Alexandre, mais elle ne l'aura pas non plus. Par le pouvoir des cheveux triphasés jusqu'à la mort. Attends, alors comme ça tu te fiches pas mal de moi? Oui, j'en ai rien à faire, complètement. Ah, moi tu t'en fiches de moi? Oui. Eh bien tu sais quoi, je m'en fiche de toi aussi. Ah oui, ouais, ah ouais. Oui, oui. Ouais, tu peux te marier avec André, avec Frédéric ou avec qui tu veux. Et tu peux m'inviter à la fête ou ne pas m'inviter, fais ce qui te chante. Bon, tant mieux, c'est mieux comme ça. Donc maintenant c'est chacun chez soi, tu permets? Ok, c'est chacun chez... Alors si chacun chez soi, je vais chez moi et ne te mets plus de mes affaires. Compte sur moi et toi ne te mets plus de mes affaires. Ah non, tu peux être tranquille. Au revoir, Alexandre, dis à ces gens-là. Oui, au revoir. Et même adieu. 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 Adieu, adieu. C'est pas vrai ça. Bon, alors, on va faire quelque chose. Okay, d'accord. Allez, un truc sympa. Et si on faisait un bowling? Non, pas un bowling, non. Non, un truc plus sympa. Si on allait à la patinoire? Non, je préférerais pas. Pourquoi pas? Allez, ça va être marrant. Allez. Et vous, Catherine et Alain, ça vous dit? Quoi? Non, non, merci, c'est super sympa, mais mes parents m'attendent à la maison. Il faut que j'y aille. Ouais, et moi, il faut que je l'accompagne. Bon, ben, je vais y aller. On se voit demain? Ok, ça marche. Okay. On y va? Oui, on y va. Bye. Salut tout le monde. Bon, alors, on va à la patinoire. Ça marche. Non, 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 Pierre, non. J'ai pas... Allez. Je sais bien que j'adore le bowling. Non, allez, la patinoire. Et oh, dites, est-ce que quelqu'un sait pourquoi ils sont tellement mystérieux, ces deux-là? Demande à Pia. Elle doit le savoir parce que Catherine est son amie. Non, moi, je suis au courant de rien. Je sais pas ce qu'elle a. Bon, maman, je suis prête à y aller. Tu t'en vas déjà? Oui, je m'en vais parce que... n'oublie pas que je ne rentre pas dormir. Je vais... Ah bon, tu rentres pas dormir? Non, je ne rentre pas parce que j'ai tout organisé avec Joséphine et je peux pas la laisser tomber. Parce qu'on doit faire une disserte d'au moins 10 000 pages, c'est énorme. Et on restera enfermé dans sa chambre jusqu'à ce qu'on ait fini. D'accord, et tu en profiteras pour voir Mathias. Bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. Tu peux prendre le chien parce que quand tu ne dors pas là, il pleure, il pleure, il pleure. Il pleure sans arrêt, il finit par attaquer ce poisson. Non, je ne peux pas l'emmener parce que... Non, parce que la mère de Mathias n'aime pas du tout les chiens saucisses. Ah. Elle est plutôt labrador. Ah. Tu vois? Et on n'a pas de labrador, donc... Non, on a un petit chien. Voilà, oh, c'est ça le problème. Ça ira bien. Bon, allez, maman. Allez. Et toi, tu restes toute seule? Oui, je vais rester... Ah, quoi que non. Ah. Puisque tu t'en vas, je vais sortir avec Frédéric, c'est une bonne idée. Oui, c'est parfait. Bon. Bye, ma puce. Bye. Fais attention à toi. Oui, maman. Bon, tu es très jolie. Merci.
Tu as tout? Tout. Et tes affaires de cours? Bye. Parfait, bye. Perrine? Oui. La chemise que je t'ai donnée à repasser, laquelle? Je dois partir, celle que la belle je t'ai donnée, chemise, tu sais la bien. Belle. Oui. Et pourquoi avez-vous besoin de cette chemise, si on peut savoir, si je ne suis pas trop curieuse, hein? Oui, non, tu es bien curieuse. Oui. Non, je vais te dire, ce soir, je dois voir Samantha et je voulais porter cette chemise pour... Et vous voudriez que je vous repasse cette chemise pour sortir avec Samantha? Oui. Justement, Samantha, alors qu'elle ne me plaît pas du tout. Ben non, 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 je vous informe que si vous voulez sortir avec elle et que je repasse cette chemise, oubliez ça, parce que je ne la repasserai pas. Si vous la voulez, faites-le vous-même. Au revoir. Perrine, Non, c'est pas possible, ça je rêve, là, quoi. Perrine, je t'ordonne de me repasser cette chemise. Je veux que tu... Perrine, chérie. Je ne chanterai plus pour toi. Pas la peine de demander, je ne chanterai pas. Alors ça... Alain. Salut. Salut, on t'attendait. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qu'on voudrait savoir. Qu'est-ce qu'elle a, Kat? Rien. Rien. Pourquoi vous me demandez ça? Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, c'est que ça fait un moment que j'ai l'impression que vous êtes bien mystérieux tous les deux, mais... Ah non, 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 pas du tout, vraiment. Je comprends pas. Pourquoi il y aura un problème? Alain, ça fait plusieurs jours que Catherine est un peu bizarre. Tu es sûr qu'elle n'a pas un problème? Tu le lui as demandé? Écoute, non, pas que je sache, non. Non, je ne vois pas. Mais pourquoi vous me demandez ça? Non, non, pour rien, t'en fais pas. Pour rien, pas de problème. Ok, alors vous répétiez? Oui. Alors on y va. Bonjour. Ok, tu chantes? D'accord, c'est parti, on y va. Tu es la nouvelle, non? Oui. Enchantée, Patricia. Patricia ou bien Pat, c'est pareil. Et ça, tu sais dans quoi tu te lances? Oui, oui, bien sûr, je me lance dans ce travail. Non, tu sais pas. Ce boulot, c'est un véritable enfer. Oh, mais pourquoi tu me dis ça? Ne me dis pas ça, parce que moi, je suis super contente. Oui, bien sûr, au début, on est toutes super contentes. Mais après, quand on est face à la réalité, on rêve de partir en courant. Pourquoi? Pourquoi partir en courant? Parce que tu en as marre de tout. De la mauvaise humeur des gens, des ordres du responsable, et de passer ta vie enfermée ici à regarder les autres s'éclater dehors. C'est pour ça que tu me dis ça? Ça va, il ne m'arrivera pas la même chose qu'à toi, ça m'arrivera pas. Ah non? Non. Et pourquoi non? Parce que moi, j'ai pris ce travail pour accomplir un rêve, pour partir avec mon copain en Espagne. Ah oui, c'est genre travailler pour un rêve. Oui, il ne te reste plus qu'à danser, c'est la fête. J'espère que ton rêve ne se transformera pas en cauchemar. Patricia? Catherine? Qu'est-ce que tu fais là?